un trio tout sourire pour le lancement d'une nouvelle bière originale et audacieuse. Son nom, Babylone, sa spécificité, être brassée à base de pain, le pain qui remplace le malt d'orge dans le processus de fabrication. Les premières traces écrites de boissons qui peuvent en fait s'assimiler à la bière datent d'il y a 7000 ans, et c'était en Mésopotamie et donc à Babylone à l'époque. À l'époque, on faisait la bière, c'était du pain fermenté. Et donc, en fait, on a un lien avec les origines de la bière ici. 500 kg de pain pour 4000 litres de bière. Voilà la formule magique pour cette nouvelle bière qui s'inscrit dans le concept de l'économie circulaire. Le pain est fourni tous les jours par Delay sur ses stocks d'invendus. Il est transformé ensuite par les ateliers Gros Thailand, une entreprise d'économie sociale à Molenbeek. Il part enfin à la brasserie. Depuis qu'ils se sont associés, les créateurs de Babylone veulent faire de la bière autrement. On existe depuis juin 2013, donc une grosse année et demie. Et tout ce qui caractérise Brussels Beer Project, c'est vraiment la co-création, l'idée d'impliquer le public dans tout ce qu'on fait et d'être très créatif au niveau des recettes. Et ça marche. La première bière, Delta, a été sélectionnée par le public. Un concept de crowdfunding a aussi été lancé. Pour 160€ mis dans le projet, vous recevez 12 bières gratuites chaque année à vie. Et donc on a eu un petit peu plus de 1100 crowdfunders dans le projet. C'est pas juste boire une bonne bière, c'est aussi participer à un monde meilleur, à un autre type d'économie. Oui, mais si on parle toujours de refaire le monde autour d'une bière, bah, pourquoi pas essayer d'y participer un petit peu. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le prend. Ouais. La Babylone est en vente chez Delhaize et dans plusieurs cafés bruxellois. Une grande soirée de lancement aura lieu le 21 mars dans la brasserie du Beer Project, rue d'Ansart.